Et salut à tous et à toutes, c'est Xeno. On se retrouve ici pour la septième partie de Resident Evil 4. Du coup, la dernière fois, on avait commencé le château. On avait rencontré Salazar, hein, le petit nabo, là. On avait pas mal galéré aussi pour le début du château. Du coup, on va continuer dans cet épisode trop tranquillou. Je vais essayer d'être un peu plus divertissant. Ah. You're right? I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. Ah. Ah, ah. Ashley, what's going Bah, il se passe que tu t'es fait piéger. Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Oula. Oh bah, c'était fin de chapitre, loul. On commence par une fin de chapitre, c'est pas mal. J'aurais pu attendre finalement. C'est pas mal, j'aime l'idée. Allez, c'est parti. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Ok, d'accord. Ah, si, il veut. Ashley, de l'autre côté, je dois vite retrouver un moyen de passer. Sale histoire. Grenade aveuglante, ça peut servir. Pas trop trop ça. Il y a des bruits bizarres, j'aime pas trop ça. Et j'aime pas trop trop ça. Font des trous dans les murs, ils me mettent des petites marches quand même, c'est sympa. Je les avais oubliés ces vieilles saloperies là. Plein ici en plus. Oh, la musique des angoisses. On les voit, les petits salopios, je crois bien. Merde, il arrive d'où? Saloperie. Que c'est dégueulasse ces machins. Je crois qu'on les voit qu'une fois ces trucs. Vous avez obtenu un œil vert.
bah non. J'aime pas trop trop ça. Non, ouf. Il est où? Là, je crois. J'aime pas ces bestioles. En haut. Casse-toi, Léon. Casse-toi. J'allais la rater là. Mais what? Caméra, music. Bah les meurs là, au bout d'un moment. Ah t'as juste envie de les tuer parce que la musique est tellement. C'est tellement l'angoisse. Eh merde, j'ai pas regardé. Mais il est 13h quoi. Bon. Cette porte est trop rouillée, impossible de la débloquer. Okay. Mémo de Louis. Certains parasites peuvent contrôler leur hôte. Les biologistes savent tout cela, mais on ignore comment font les parasites. L'étude spécifique de ces parasites pourrait permettre d'en savoir plus sur les pouvoirs des Plagas et peut-être même d'avoir plus de renseignements sur les victimes des Plagas, les Gandos. Voici une liste des parasites qui sont capables de manipuler le comportement de leurs hôtes. Dicrico aussi, okay, après avoir migré dans l'œsophage de la fourmi. Oui, bon, ça on va pas le dire, sinon c'est chiant. Hop, je vais mettre pause. Enfin, je vais passer un peu vite pour vous mettre pause. On y va comment là, du coup? Oui, il y a un peu jaune. Hop, une petite herbe verte histoire de. Apparemment, il est mort récemment. Vu la blessure, la mort a dû être rapide. Ok, mais on y va comment là? Mais c'est ici qu'il y a un trésor, non? Non. Bon. Ok. C'est où qu'il est le trésor du coup? Ok. Rouillé. Je sais pas ici. Dans l'autre pièce. Pas ici. Ouais, c'est ça. Vidangelo, oui. C'est parti.
Oh non. Le salaud. Mais quelle ville saloperie. C'était sûr en fait, mais c'était sûr. Ah, mais je... Mais putain, il... Oh, y a... Et genre, je l'ai pas touché là. Ah, ce passage, l'angoisse. Bah, je sais comment on s'ouvre cette porte maintenant. Loul. Y'a rien ici en fait. C'est une farce. Genre, je le touche pas là, il se fout de ma gueule. C'est une farce. Enfin, Dark Souls qui se prend pour Hero 4, hein. Parce que ça, quoi. Regardez s'il n'y a pas un trésor, loul. Strike. So.
Ils sont où les guignols? Ça doit ouvrir par là. Welcome. Welcome. Got some rare things on. What are you buying? Regardez vite fait les objets là que j'ai à lui vendre. Et genre ça là. Examinard. Bien serrer des trucs, genre ça. On peut pas en mettre plusieurs, d'accord. Parfait. Vendre. Ah, ça coûte 12 000. Ah, ça se peut se vendre, ça, d'accord. C'est un trésor. Okay. Ah, I'll buy. Ah, thank you. Ah, thank you. De rien, de rien. Is that all, stranger? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Parfait. Bon, il n'y a rien de neuf. Rien de neuf. What are you buying? En vrai. Is that... Donc cette mine. Thank you. Le TMP. Des chargements, c'est pas mal. Thank you. Hop. Mec qui est cool. Du coup. Il peut y avoir un trésor ici là. Ouais, c'est en face. Ça doit être ça. Ah, peut-être. Attends. Attendez. Je fais ça, genre. Non. Ouais. C'est cool. Maintenant, faut aller à l'autre porte. On va les sauvegarder. Hop. Ça sera fait. Nickel. Continuons. Et donc, lui, son corps, il reste. Incroyable. Ça sent l'angoisse ici. Herbe rouge. Non. Thank you.
mémo du gouverneur. Depuis de longues années, les Salazar dirigent ce château. Cependant, il existe des zones d'ombre dans le passé de ma famille. Il y a bien longtemps, un groupe religieux s'était établi dans cette région. Il s'agissait des Illuminados. Le premier gouverneur du château leur a retiré leurs droits et privilèges. Je suis fidèle de cette religion. Je suis également le 8e gouverneur du château. J'estime qu'il est dans mon devoir d'expirer ce péché. La meilleure façon de faire est de rendre ses pouvoirs aux Illuminados. Comme je le pensais, il a fallu un peu de temps. Mais nous avons réussi à réanimer les Plagas qui étaient endormis. Cette réussite me rapproche encore plus du retour des Illuminados. J'ai libéré les Plagas des profondeurs de ce château. Je les ai donnés à Lord Sadler, non seulement pour expier les péchés de mes aïeux, mais aussi parce que j'étais certain que le Lord en ferait bon usage pour sauver le monde. Sauver ceux qui ont péché en utilisant les pouvoirs des Plagas et laver leur âme pour créer un monde sans péché. C'est écrit, faut le savoir, c'est vérifiable. Après avoir été purifiés, ils deviendront l'un des nombreux Ganados et trouveront une raison de vivre. Et une fois que le Lord aura donné naissance au monde qu'il a imaginé, les péchés des Salazar, ma famille, sont expiés. Ouais, c'est une idée de merde. Il y a du monde. Ayesta, non, y a pas Ayesta, je suis pas là. J'ai pas beaucoup de balles de sniper, ça c'est ça. Petit bâtard! J'ai horreur quand ils font ça. On va prendre le TMP par contre, j'ai plus de balles de flingue. On va prendre ça. C'est cash, petit bâtard. Oh là là, petit coquinou. C'est bien, le jeu il me donne du pognon, mais je voudrais une mission un peu. Les herbes vertes aussi, il m'en donne. Quel petit enfoiré, celui. J'aime pas quand il me fait courir. J'aime pas trop ça. Je vais te retrouver, je vais te tuer. Petit enfoiré. Viens me faire courir le rouquin là. What the fuck is that?
du monde ici. Ah! J'aime pas trop trop ça, hein, on va être honnête. D'en haut peut-être. Eh ben mon vieux. Je me demande s'il y a moyen de le tuer avant de trigger le truc. J'imagine. C'est juste que je m'y suis pris comme un gland. Je pense qu'il y a moyen en vrai. Je me retape tout le chemin en fait. C'est ça le délire. On a perdu quand même un peu de vie dans cette histoire. Il gagne pas des masses de munitions non plus, c'est assez étonnant d'ailleurs. On a combien ? 28 minutes. On est large. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc là. Cette ligne de la muerte. Je sais plus, il y a un truc à faire avec ça. Le sacrifice de Civi apporta une nouvelle lumière. Ok. Ça veut rien dire ce qu'il a dit là. Le sacrifice de Civi apportera une nouvelle lumière. Là, il y en a 6, quoi. Je suis un peu fort, quoi. Je suis quand même... C'est pas ici, qui, normalement, qu'il y a le plafond qui tombe. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man! Did you say old man, Mr. Kennedy?
It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. C'est vraiment pas très sympa, Salazar. C'est chiant, j'ai plus beaucoup de balles en vrai. Des zombies au lance-roquettes, bien sûr. Ouh la Germaine, c'est chiant par contre là. Philippe, je sais où tu te caches. T'es sûr de ça, toi? Il est résistant quand même. Salope. What? Moi je m'arrête, je suis un ouf. C'est tiré dans les murs, c'est pas bon. Ah, il y a une plante là-bas. Ok. C'était une plante jaune? Non, c'est une plante verte. Ok. Est-ce qu'il y a un trésor ici? Non. Il y a une salle de sauvegarde derrière, par contre. Merde, j'aurais pu me servir des trucs en haut, quel con. Il y a des munitions là, ça j'aime bien. Prendre la plombière. Hop. Mettre plante jaune, voilà, suffisait de demander. En fait, on va attendre un peu avant d'utiliser ce truc. Ok. Y'a plus rien. Une porte là. Le système de sécurité a été activé, faut d'abord que je le désactive. Le système de sécurité est désactivé, oui. Ah, mais c'est pas là où il y a le lance-roquette. Bah tiens, en parlant de lance-roquette. Ils sont où? Merde, ils sont où? Ils sont derrière.
Ils sont où? The fuck? D'accord. Alors il peut pas sauter là? Non, faut que j'appuie sur le bouton, c'est ça, je crois. Non, ce requête, ce serait bien de le prendre, ouais. C'est un truc gratos. What? C'est quand même un peu alambiqué la façon comment il pop. Hein. Non, c'est même pas ça. Je pensais que c'était ça, mais non, c'est même pas ça. C'était pas là. Non, je me rappelle, c'était pas ici en fait. Bon, bon, sauvegardons. Bon, par contre, c'est chiant, j'ai plus de soins, j'ai plus rien. Attendez. Ne serait-ce pas le fameux passage? On peut pas l'ouvrir. Okay. Merde, les corbeaux! Reviennent c'est foutu chez ces corbeaux de chiens. Ça va pas l'air. Ah ouais, c'est le passage des enfers là. Non? Si? Non? Les corbeaux qui partent. C'est verrouillé donc peut-être que si quelqu'un m'aidait, d'accord, bon, faut revenir avec Ashley. Des munitions s'il vous plaît, des munitions. Grenade. Munitions. Ok, cool. Ouais, ouais, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien le passage des enfers. Bon. Deux lunes ne font qu'une. Mr. Kennedy. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis,
Who's the other? Huh. They're an intruder besides me? C'est vrai que c'est qui ce troisième intrus, dis donc. Bon, alors là, j'aime pas trop. Je crois que personne aime ici, en fait. On a du soin. L'entend, hein. Petit, petit, petit. Ici. Ah, c'était pas ici que vous pourriez mourir bêtement. Ça peut pas voler ça. Donné, chien enragé, on les abat. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein. Oui, il y a une herbe jaune qui se cache là, vous l'avez vu? Je l'ai vu. Je l'avais vu, la coquine. Attends, c'est quand même les plus gros drogués de l'univers, quand même, les héros des RE. Qu'est-ce que ça en consomme de l'herbe? Ah. Bonjour! Oh là là là. Une balle, un mort quoi. Par contre ils sont relous de grenier. J'aime pas trop ça. Ça a une tendance à m'énerver un peu quoi. Doivent être là-dedans. Ok. Ah là là, heureusement que je suis au casque. Je l'ai entendu arriver de derrière. Manque de peau, j'étais à la souris. Un coup de poignet, c'était réglé. Quoi. Oui, c'est qu'il est l'autre. Est-ce que j'aime pas les... Genre... Ma gueule. C'est pas rentable cette histoire, 3 balles de sniper pour le tuer. Qu'est-ce que c'est que ça? On a dit qu'il fallait économiser un peu les balles. On s'agrandit plus. Je suis peinard ou pas? Oh, un spray. J'aime bien ça, moi, les sprays. Mais il faudrait que je trouve les petits trucs. Tu sors d'où, toi? Oh, on a deux chats. Ah, c'est ça, non? C'est j'aime, je crois, ça. Ouais, j'aime rouge. Combiné. Petit coquinou, quoi. On laisse obligé qu'ils vont nous en ressortir un, là. Non. Non, je les ai tués ici, on est d'accord. Ouais. J'ai tout chopé, en fait. Je sais plus. Oh. Je suis même plus sûr avec toutes ces conneries.
Là, il doit m'en manquer un, hein, du coup. Where is? Oui, en fait, ils sont where is. Est-ce qu'il y a un trésor ici? J'ai même pas fait attention. Ouais, j'ai déjà chopé. Okay. Que je monte un peu, que je prenne de la hauteur pour voir un peu. Je suis en train de me perdre quand même, j'ai l'impression. Herbe verte, ça j'aime bien. Ouais, je suis en train de complètement me paumer en fait. C'est intéressant. Bah, s'il y a des trucs à ramasser, pourquoi pas, hein. Mais ça serait bien quand même que je mette pas 2 heures sur ce truc. Il y a la porte qui est là, ok. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Ah, c'est pas ça. Putain, ils m'ont foutu les boules, c'est con. J'étais pas prêt là. Bon, voilà, c'est là que je voulais aller en fait. Bon, il me reste encore un truc là-bas. Bon, est-ce que ça sent encore le chien? Ouais. Ah bah voilà. Putain, mais deux fois, hein, ils me surprennent. Ah, mais il y en a trois là. Note à moi-même, ça fait quand même un peu flipper. Ça me surprend quoi. C'est de la peur facile, c'est ça qui est un peu regrettable en vrai. Combiné, voilà. Vous avez utilisé la pierre de lune complète. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Zoom, 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 zoom. Disparition. Eh ben voilà. Bon, je pense qu'on va conclure là-dessus. Hein. Ouais, on a 50 minutes, c'est très bien. Du coup, chapitre 3-3, terminé dans le suivant. D'accord. Bah du coup voilà, on a rencontré Ada Wong,
qui refait son apparition depuis Resident Evil 2. Bon, ce qui n'est pas très logique, parce que dans Resident Evil 2, on nous présente qu'elle est... Enfin, elle meurt, quoi. Ouais. Mais en fait, elle n'est pas morte. Elle a fait exprès de dire... Elle a fait exprès de dire qu'elle était morte, en fait. Puis bon, là, on apprend vite fait qu'elle travaille pour Wesker. Pourquoi pas, s'ils veulent. Du coup, on va sauvegarder. Hop. Pourquoi pas. Bon, du coup, on sait c'est qui le troisième intrus, quoi. Voilà. Bon, je vous avouerai, on va quand même... Je vais re-sauvegarder. Hein. Je vais prendre les loot et tout. Il y a des trucs qui se font choper ici, quand même. Ouais, bah, il y a le marchand juste à côté. C'est pas beau, ça. Intruse. On dirait qu'une intruse s'est glissée parmi nous. Nous pensions qu'elle était liée à Serra. Nous croyons également qu'elle a retiré l'œuf qui avait été inséré dans Serra avant l'éclosion et qui lui a fait prendre l'échantillon avant l'arrivée de l'agent américain. Elle avait pour objectif de s'emparer de cet échantillon. Nous devons la retrouver avant qu'elle ne rejoigne Serra. Nous pensons qu'elle travaille pour le compte de quelqu'un d'autre. Ils sont perspicaces. Il nous la faut vivante pour l'interroger. La femme devrait pouvoir répondre à toutes nos questions. Quand nous l'aurons capturée, Serra nous posera plus de problèmes. Si nous récupérons l'échantillon, vous pourrez vous débarrasser de lui. Oui. Alors du coup, c'est ce qu'on fait, en fait, là. Ce qu'ils expliquent, c'est ce qu'on fait avec Ada. Dans la séparatoire, en fait, quand on finit une fois le jeu. Du coup, je voulais m'arrêter là, et en fait, on va continuer l'histoire 2. J'ai des trucs avant d'un spin-off là. Bon, y a rien de nouveau. On va lui vendre ça. Thank you. On va lui vendre ça. Is that all stranger? On va lui vendre ça. Is that all stranger? Thank you. Oui, de ce que je vois, il a rien de nouveau. Ouais, il a rien de nouveau. What are you buying? Ok. Ouais. Ça, en vrai, serait pas déconnant, en vrai. Is that all? Thank you. C'est ça, je risque de le garder. Hein. Thank you. Voilà. Come back anytime. Come back anytime, ouais. Donc il n'y a pas de trésor ici, on est d'accord. Bon, je l'ai chopé. Ok, cool. Du coup, on va sauvegarder, puis on va s'arrêter là pour cet épisode 7. 6, 7. Je crois que c'est 7, hein. Je le dis en début d'épisode, mais j'arrive quand même à plus m'en rappeler. Ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Vous avouerez. Bon, voilà, du coup, je résume. On a rencontré Ada, enfin, on a retrouvé Ada. On sait qu'elle enquête ici, enfin, fait des trucs pour Wesker. On sait pas trop quoi, mais elle est avec Wesker, quoi. On sait que Serra, donc Louis, bon, on sait pas trop. Il dit qu'il est un keuf, mais en fait, on sait pas trop, en vrai. Hein, enfin, moi, je sais, mais ceux qui connaissent un peu le jeu aussi, mais. Voilà. Il y a des secrets, quoi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, la prochaine fois, on va essayer d'un peu avancer un peu plus, hein, quand même, dans le château. Là, on aura quand même fait pas mal de trucs. Hein. Même si, je vous avouerai, c'est toujours un passage de l'angoisse avec les chiens. Là. Toujours un peu chiant. Hein. Du coup, je vous dis bye bye. Et à la prochaine.